Salut à tous, c'est Big Banner de 94. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de ma saga sur The Elder Scrolls 4 Oblivion. Voilà, donc hier on s'était quitté sur le trône que j'avais trouvé énorme, et aujourd'hui on va continuer. Alors bon, j'espère que le concept vous plaît, j'espère que la série vous plaît. Donc je ne tourne pas dans la continuité, c'est-à-dire qu'il y a une journée qui est passée entre les deux tournages, entre les deux tournages de mes vidéos. Donc je sais à peu près où on en est, mais bon. Voilà, on est sur le trône, on est toujours avec la garde, on est toujours en train de se bastonner. Excusez-moi. Donc c'est parti, on va mettre la vue normale. Et c'est reparti, il fallait juste que je passe cette porte. Par contre, on va dégainer, voilà. Ah, j'ai un bouclier. C'est bien. Je suis sauvé. Voilà, il y a toujours de la baston, on est toujours dans l'espèce de... Ils me font chier avec leur boule de feu. Putain, mais il prend rien. Allez! Bon, ça m'énerve. Allez vous battre, vous là, vous foutez quoi là, putain. Oh mais merde. Bon, attendez, parce que là ça se passe plutôt mal pour un début. Oh non, je suis mort. Ah ouais, je suis mort. Bon, j'ai pas compris, j'ai pas réussi. Bon, petit fail du début, on est reparti, c'est pas grave. Excusez-moi, je viens de me réveiller. Donc c'est pas la joie, là je suis pas très concentré. Mais bon, ça va aller. Donc c'est reparti. Bon, je vais me mettre full déjà. C'est parti, on met le sort. Bouclier de feu, voilà, hop, on va mettre ça. Pas combien de temps ça dure, mais ça peut toujours servir dans la prochaine porte. Voilà, let's go vite. Bon, on va faire que je les poutre là, parce que bon, on va bien avancer un peu. Hop hop. Ah merde, je me fais avoir comme un con. Allez, tape, t'es mort. Ah putain. Bon, attendez, parce que là, ça va pas du tout. Hop, on va mettre l'autre sort, guérison, vite fait. 1. Allez, vite, 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 2. Il reste des ennemis, vous inquiétez pas, mais... ça va être chaud d'y aller tout de suite, là. Bon, là, j'ai de la vie, ça va. Hop, on y va comme ça. Ah bon, ça protège pas du feu. Oh oui, il a cramé son pote. Putain, mais tu fais quoi toi? Pourquoi y'a plus personne? On est plus que deux maintenant. C'est chaotique. Ah putain, je suis encore mort. Ah, ça me fait chier, les autres ils me suivent pas, j'ai l'impression. Les deux fois que je meurs au début de la vidéo là, ça fait déjà 4 minutes, on est toujours sur la même séquence, j'aimerais bien avancer un peu au lieu de mourir à chaque fois. Donc on va me mettre full, j'ai déjà dit, c'est pardon, on va remettre la vue normale. On va faire, y a pas, j'ai plus de sort, merde, j'ai plus de sort, bien. Non, ça sert à rien, bon. Bon, j'ai pas de sort adéquat. Ils me suivent les deux. Voilà, déjà là, il y en a deux. Ça va mieux se passer déjà. Ils sont deux derrière moi. Ah, voilà. Non, toi, tu va te battre.
Ah mais lui il m'enlève une tonne de vie, c'est hallucinant quoi. Moi j'enlève que dalle. Ah non, ils sont tous morts, putain. Ah là, mes amis, c'est la loose. Oh non, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver ce matin. Ah merde, putain, il y en a trois, j'en ai battu des dizaines et des dizaines depuis le début, et là, il y a trois putains de chiens là qui vont me faire chier. Puis il me reste trois pauvres types là qui savent pas rien faire, je sais pas où est le mec de la quête et tout. C'est la loose totale. Bon, allez, on y va. Fait, c'est parti. Bon, lui va balancer son sort. Je sais pas ce que c'est, ça, mais ça me fait peur. Ah putain, mais c'est quoi ces sortes de boules de feu qui me balancent? J'en ai marre. Ça fait 4 fois que je recommence la même séquence. Faut que je trouve un autre moyen. Je vais m'équiper d'autre chose parce que là ça se passe très mal. Allez, on va prendre autre chose. Je sais pas ce que j'ai mis. Putain, c'est cassé ça. J'ai rien pour me protéger des boules de feu, c'est chiant. Allez, on va essayer ça, on verra bien. J'y connais rien de façon. Ça me saoule parce que je sens que je vais rester bloqué 3 heures. Ouais, ça lui a fait que dalle. Voilà, ça c'est fait. Hop, guérison. Allez, c'est parti, là je suis chaud. Voilà, il reste ces deux-là. Allez, viens avec moi toi, je te démonte. Allez, c'est parti. Non, faut pas s'enfuir. Ah merde, connard. Ah putain! Bon attendez, parce que là. Faut que je réfléchisse. Je vais me barrer. Non, je peux pas passer par là, putain. Ah putain de merde. Connard, si tu me butes, je te démonte. Oh non, non, putain, il restait que lui. Putain, mais bloqué devant trois galopins, mais comment ça me fait chier. Oh là là, c'est pas possible. J'en ai buté plus d'une vingtaine depuis le début de l'aventure. J'en ai buté dans des tours, dans l'Oblivion, j'en ai buté. Et là, trois pauvres types, oh là là, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la galère, messieurs, dames. Bon. Déjà, j'ai un truc. Hop. C'est où ça?
Putain, mais j'ai plus rien. On va utiliser torche, ça a l'air d'être assez. Ah, je vais essayer un truc. Hop là. On va aller se soigner là. Et puis après, on va leur péter la gueule. Parce que là, ça va pas du tout. On va faire hop. Attendre 2 heures. On va voir si l'autre il respawn derrière. Je suis désolé, j'utilise un peu des trucs complètement débiles, mais voilà, ils sont plus que deux. Et bah, à chaque fois qu'on en aura buté un, on va aller chercher un autre. Oui, je me casse. Hop. Hop là. Je suis désolé. Hein. Putain, mais qu'est-ce que tu fous de ce côté-là de la porte, toi aussi? Oh non, on peut pas le refaire. C'était un bug tout à l'heure. Merde. Bon. Rond. Guérison. Oh putain! Oh l'enflure! Je vais te buter! Non, je vais te buter! Putain! L'enculé quoi! Oh putain, je suis trop dégoûté! Je suis trop dégoûté! Il m'a surpris cet enculé, j'avais pas toute ma vie! Oui bah oh, tu vas pas gueuler hein. Ah, il y a peut-être moyen que ça ait sauvegardé qu'il n'y ait plus qu'un seul ennemi de l'autre côté. Oh, ça serait énorme ça. Ah, on peut attendre. Ah, je suis vraiment dégoûté là. Ça fait 10 minutes que je me prends la tête là-dessus et c'est pas la joie. Allez, c'est parti. On y va. Putain, il y en a deux. J'utilise pas les bons sorts. J'ai vu le bouclier. Putain, ils me mettent trop cher. Allez hop, on va tenter. Ah, il va arriver. Putain. Hop. Guérison. Éteint, mais il va arriver l'autre. Oh, il est là. Oh, il y a moyen. Il n'y a pas moyen. Je peux même pas buter une sous-merde comme ça. Donc, vous savez quoi, je vais vous laisser. Et par contre, je vais faire une petite ellipse parce que là ça va être trop long. Et on se retrouve quand j'ai réussi à le buter. Bah, je suis désolé. Voilà, salut à tous. Alors, j'ai fait un gros fail, c'est-à-dire qu'il y avait tous mes alliés là. Et il va falloir que je leur dise de me suivre. Ah non, bah non. En fait, bon, bah j'ai ramené les ennemis qui étaient dans l'autre salle vers lui et il les a butés. Donc bon, j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne idée. Ça fait à peu près 10 minutes que je galère. Ça me prend la tête. Franchement, je vais vous dire, j'en ai pas marre. Hein, parce que bon, c'est le début, tout ça. Mais ils m'ont bien pris la tête. Je crois qu'il en reste un derrière. Et voilà, il en reste. J'ai deux copains avec moi. Ah, bah j'ai peut-être bien fait de...
Vous venez avec moi, vous? Ouais, cool. Donc j'ai deux copains avec moi, on va attendre. Donc il n'y a plus d'ennemis derrière la porte, je pense. Parce que comme j'avais engagé le combat, eh ben, il risque de plus y avoir d'ennemis. C'est parti. J'espère qu'il n'y a plus d'ennemis. Putain, il en reste un. Alors là, c'est surtout pas moi qui y vais, ils sont 4, ils se démerdent. Allez, hop, vous y allez, les mecs. Vous explosez. Ils sont plus que 2. Torche, bon, ça, je m'en fous, je peux niquer comme ça, vite fait. Oh, puis en plus, je vais l'avoir. Oh oui, c'est beau. Regardez, je galère depuis 25 minutes et c'est fini. Ça suffit, les conneries, là. Ah, mais j'ai la porte pour la salle à manger. Les cuisines? Ah ouais, tu parles de cuisine. Vin, vin. Bon, le vin, oui. Tonneau, or, oui. Je ne pense pas. Bon, on se casse. Oh, il y a de la bouffe. Il y a une miche. Il y a une miche de pain. Une miche de pain. Bon, allez, on se... Du vin. Le vin. Oh merde, je porte trop de choses avec une putain de botte de... Ah. Voilà, on y va. Je suis pas du tout chaud. Bon, maintenant qu'on est 4, ça devrait aller. Allez, vous venez tous là? Bon, faut que je trouve le compte machin, si j'ai bien compris. C'est pas par là, c'est par là. À droite, tu poses une... Ah putain, je t'en supplie, y'a plus personne. Eh, je t'en supplie, hein. Je veux plus d'ennemis, moi, j'ai pas... C'est pour les appartements du duc, je dois être bientôt arrivé. Ah putain, j'ai vu une de ces saloperies. Oh oui, je l'ai fait le buter. J'ai compris pourquoi j'arrivais plus à taper, c'est que mon épée là que j'ai dans les mains, elle est vraiment merdique, hein. Il faut que je rapporte ce chevalier à Salvien de Martius. Fouillé, anneau, sceau. Tenue noire et corbeau. Non, oh, putain, j'ai fini. Oh yes, c'est bon ça. Allez. Je suis vraiment désolé, hein, ça aura duré assez longtemps au début de cette vidéo, mais je me suis vraiment pris la tête. Hein. C'est vrai que bon, se prendre la tête sur un petit, comment dire, oh, des trucs par là. Je vais aller fouiller un peu parce que depuis le début de l'aventure, j'essaie de tracer un peu. Ah, casque de maille. Putain, c'est trop bon. Je vais balancer une épée. Genre, celle-là. Balancer une dizaine de flèches. Waouh, ça va super vite, ça dit donc. Voilà, il m'en reste 24. Une hache de guerre ferrouillée. Voilà. Et puis c'est tout. Hop là. Ah non, s'il y a des ennemis, j'ai l'air con. Alors là, oh putain. Je me casse. Moi, je me barre. Ça suffit, les conneries là-haut. Oh, il a explosé, mais hey, j'aurais tout de suite dû aller les chercher, quoi, parce que c'est... Je suis vraiment con. Position bizarre. Comment tu peux être mort comme ça, tiens? Oh putain, lui il est mort. Oh, merde. Oh. Désolé, hein, je te pique ton or, t'es mort, tu m'as protégé, mais bon, c'est pour ma survie. Faut que j'aille revoir l'autre, c'est ça? Ah, il est là-bas. Il attend comme un piqué. La. On aurait plutôt reculé dans cette. Oh là, il commence à être méchant là. Je vous pilonnerai. Regardez, il vient de m'engueuler et là il me fait un grand sourire. Allez, Martin. Ok, t'as achevé. Pou pou pou. Attention, petite image de victoire. Magnifique. Vous avez vu cette image de victoire? Franchement, je la mettrai à chaque fois que je finirai une quête. Parce que là, puis ça là, putain, j'en ai bavé.
J'en ai vraiment bavé. Hein. Oh la vache. Bon, ça me fait plaisir de jouer, mais... Là, je me suis pris la tête. Bon, il est dans la chapelle, Martin. Bon, on va retrouver Martin, et puis après... On va peut-être aller un peu se promener. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause, pardon, sauvegarde. Parce qu'on a fini la quête. J'ai toujours pas pris de niveau. Bon, ça me saoulait ça par contre. Hop là, on va aller voir si j'ai pris un niveau. Point. C'est dans les caractéristiques. Niveau sup. Mais il n'y a pas marqué que j'ai pris un niveau. Non, niveau 1. Bon, c'est pas grave, on va aller poutrer, enfin on va aller trouver Martin. Il y a quand même eu pas mal de bastons ici, j'ai l'impression. Ah, d'accord, c'est le clocher qui s'est cassé la gueule. Oh la vache, faut pas être en dessous. Il y a quelqu'un en dessous? Non, il n'y a pas l'air d'avoir du monde, tant mieux. J'aurais soulevé le clocher, mais bon, comme il n'y a personne, pas besoin. Martin. 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 Où est Martin? Non, c'est pas là, les quêtes, c'est là. Dans un groupe de personnes qui sont barriquées dans la chapelle d'Arthos, il faut que je l'aide à reprendre la partie sud de la ville afin de venir en aide aux survivants. Ah non, c'est pas fini, putain! Eh merde, je pensais que c'était fini. C'est où la sud? C'est où la sud? Sud. Bon, on va aller au sud, on va traverser la chapelle. Pour voir ce qui se passe, hein, parce que j'ai envie de péter la gueule à retrouver Martin vite. Pour pouvoir me barrer de Zwack, je reviendrai plus jamais. M'a énervé cette ville. C'est parti. M'a énervé cette ville, franchement. Je n'en peux plus. Oblivion, c'était plus sympa que cette ville. Bon, d'accord, je vais sortir de la ville. Putain. Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme connerie? Mais pourquoi je l'ai activé la quête aussi? Je suis con moi, je pouvais aller me promener un peu, faire des quêtes annexes et après on sera revenu là. Je peux toujours, hein, vous me direz. Ah bah si, ah bah il y a l'objectif qui est juste devant. Bon, allez, on va aller à l'objectif. Hein. Ah, je prends un forgeron. Je crois que c'est ça, hein, ce signe. Pour réparer ma clé mort. On n'est pas dans Call of, mais ça s'appelle comme ça. C'est la grosse épée que j'avais avant, qui était magnifique, mais que j'ai cassé lors d'un combat. J'aurais bien aimé en refaire une, quoi, parce que là, avec ce dos bas de front, là, c'est même pas la peine de continuer. Bon, je suis désolé, pardon, ce sera pas le meilleur épisode. Bon, au début, il y a eu de l'action, hein, mais je me suis buté un nombre incalculable de fois. Ça doit être 5 ou 6 fois. Bon, ça, c'est chiant. Oh non, j'espère qu'ils vont pas tous me mettre sur la gueule parce que j'ai tapé leur prêtre la dernière fois. Tadam! Oh là, qu'est-ce que je suis beau. Oh bah, il est là, le prêtre. Bonjour! Tu me reconnais pas? Tant mieux. Martin, c'est lui. Oh putain. Eh, Martin, c'est lui, je suis sûr. Ah non, c'est pas lui. Eh bien. Frère Martin, attention. Victoire. Victoire. Et il est pas au courant, putain, mais... Mais comment on peut être un aussi gros bœuf, quoi? Il y a de la passion partout et lui, il sait pas.
c'est un héritier, mais... Ok, il comprend que dalle et moi je parle comme un débile. Vous êtes le fils. Mais oui, parce que t'es un prêtre et t'as pas envie d'être un prêtre. Parce que voilà, c'est bon, c'est. Ah bah, je suis sûr qu'un jour, et je le sais aujourd'hui, un mec me féliciterait d'avoir détruit la porte. Bon, j'avoue, c'était quand même stylé. J'ai préféré péter la porte que aider les quatre clampins à récupérer leur ville, mais hein? Il vient ou pas? Ah putain, il vient pas, j'ai pas entendu. Voilà, j'ai pas écouté. Bah bravo, merci, hein, merci beaucoup. Oh, il vient, mais à une vitesse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Eh ben, on va faire... C'est où la cape? La carte. Priez, oh, est-ce qu'on peut voyager? Oh putain, je t'en supplie. Oh oui! Donc on va rendre Martin à sa boniche, là. Et puis nous, on va continuer. Enfin, on va donner Martin à sa babysitter. Puis on va continuer et puis on va aller un peu se promener quand même. Visiter les grandes villes, visiter pas mal de trucs, voir si je peux trouver un forgeron. Putain, il y en avait un là. J'ai oublié d'y aller. Bon. Ah là là, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Ouais, bon, on va trouver un forgeron pour essayer de faire réparer mon épée que j'aime bien ou en acheter une autre beaucoup plus belle. Je dois avoir pas mal d'or quand même. Ah, bah il est là. C'est quoi ça? Oh putain. Oh non, non, non. Et merde, c'est à lui que j'ai volé le cheval. Oh putain, non, il m'a pas reconnu. C'est quoi ça? Eh mec, mec, j'ai pas dit oui, j'ai pas dit oui. Ah ouais, venez là les tarlous. Je vais vous démonter vos gueules. Vous, vous avez pas de feu, alors vous pouvez aller vous faire enculer. Bon, c'est un peu... Oh, c'est qui ce mec-là? Ok, toi, tu restes avec moi. Frère Joffre, il va rien te foutre. Il va rien te faire. Hein. Tu restes avec moi, mec. T'es un génie. Je suis un gros débile à côté. Vous avez vu comment il a explosé les... Bon, il restait pas beaucoup de vie, parce que je les avais quand même bien tabassés. Mais comment il les a explosés avec de la magie. Là, il y a de la baston. Ah merde, il est pas là. Putain, j'ai pas envie de chercher, Comment ça me fait chier, le prêtre? C'est ça, c'est pas ça la chapelle? Ah non. Bah, peut-être, mais faut regarder dans l'autre sens. Alors, c'est quoi ça? Porte mon. Oh merde. Bon, il m'a dit qu'elle. Ah, bah, c'est ça la chapelle. Attention. Chapelle, grande salle, baston. Oui. Je sais, c'est impressionnant cet esprit de déduction, mais faut pas vous en faire, vous y habituez. Bien évidemment, je rigole. Mais regardez. Oh putain. Ah si, j'avais raison, je me disais aussi. Ouais, allez, 10 euros, il crève. Putain, mais comment il leur met trop cher? Oh. Eh mais bien sûr que t'es l'héritier du trône, t'as vu comment tu te bats, mec? Moi je suis une tarlouse avec une épée qui a fermé une porte d'obligane, toi t'aurais pu.
Toi, t'aurais pu l'exploser la porte, toi, mais sans rentrer dedans, quoi. Putain, mais j'y étais il y a 10 secondes, tu peux pas envoyer des signaux de fumée là? Putain, oh là là. D'accord, allez, laisse-moi deviner. On va rentrer dans la salle, tu vas crever. Non? Voilà, mon esprit de déduction se faiblit. Oui, c'est un très bon mot. Je vais choisir celui-là. Faiblit, ouais. Bon, c'est là. Allez. C'est maintenant qu'il y a des ennemis, il n'y en avait pas il y a 10 secondes. Ah bah non. Ah bah putain, je suis surpris. Ah, il y a un mec qui va sortir du coffre. Elle est où ton amulette? Il est où? Ah, il est là le prêtre. Non, il est pas rentré là. Pourquoi? Ah d'accord. Tout est perdu, on est mort. Mais c'est qui le mec à côté de vous? Martin? Super, on est sauvé. Pas à côté de moi. Pas à côté de moi. Merci. Je préfère, putain. Non, parce qu'il est bien sympa, il est bien balèze, il tue pas mal de monde, mais je me tape pas un compagnon. Je suis un mec solitaire. Putain, toi, t'as un beau sabre, je crois que je vais t'exploser la gueule pour le récupérer. Pardon. Bon, je crois que c'est... Ah putain, c'est celui que j'ai volé la dernière fois... Eh oh! Comment tu m'énerves? Mais péter la gueule, Martin! On récupère une épée. Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Putain, il a rien. Je suis désolé pour toi, mais mec, t'as rien. Ça m'intéresse pas, à part une petite lague en fer, j'ai rien trouvé. J'espère qu'il reste des chevals. Hein. Ah bah ouais, mais on est trois et il n'y a que deux chevals. Hein. Allez. Putain, une montagne. Eh ben on y va, allez. Allez, tu montes sur le cheval. Oh yeah. Ouais, c'est parti. Il nous suit bien, par contre. Ah ouais, il court vite. Hein. C'est peut-être mon cheval qui ne va pas vite, mais je ne sais pas. Je ne peux pas regarder en arrière. Bon, allez. Rond. Quête. Où est-ce qu'il faut? Putain, là, c'est la ligne, pardon. Voilà, là, le prix, hein, il faut... Voilà, activer. Carte. Voyager, oh putain. Oh, ce serait trop beau. Comme ça, on livre le paquet. Yes. Je suis désolé de faire ça, mais j'ai pas envie de me taper tout le voyage. Ça serait peut-être sympa, alors peut-être qu'on aurait du vin, de l'eau, qu'on se raconterait des histoires au coin du feu... En bouffant des rats, mais ça m'intéresse pas. J'ai plutôt envie de me dépêcher. Bon, ça se passe plutôt bien. J'ai l'air d'avancer un peu. Le temple des nuages. Hop, 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 hop.
peut pas rentrer. Putain. Calme-toi, calme-toi. Et moi, je sens la merde. Ah, vas-y, c'est bon, moi je me casse. Hein. En fait, non. Ah putain, il me laisse tout seul. Ok, monsieur n'est que le courtier. Hein. Monsieur, on n'a aucune estime pour lui, on s'en tape complètement. Ah, franchement, je vous dis pas bravo, les mecs. Ah, franchement. C'est tout simplement dégueulasse de faire ça. Moi je vous ai aidé, j'ai fermé une putain de porte où j'en ai rien à foutre. Je pique le cheval. Bon, oui, je l'ai piqué. Je pique le cheval et que je me casse et. On va avancer. La la la, personne ne me voit. Les Naxis ? Putain, mais. Je pensais qu'il y avait une armée, moi, il y a six clampins. Bon, ciao. Faut que j'écoute machin. Vous savez quoi? On va faire un petit point sauvegarde et puis ça sera tout. On écoutera ce que. Enfin, je pense que vous en avez rien à foutre, mais on écoutera ce que Martin il a à nous dire dans le prochain épisode. Voilà, donc un épisode assez sympa qui a démarré sur un gros fail et qui a terminé sur une super conversation avec des mecs qui balancent des épées sur un temple bouddhiste ou je sais pas quoi, enfin sur un temple avec plein de gens.